Vous allez bien? Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler de mes tops et mes flops. On m'a fait la remarque que on voulait savoir ce que je pense des produits que j'ai essayé dernièrement. Excusez-moi, j'ai encore chaud comme d'habitude. Et bah, on va commencer tout de suite. Dans les tops, les fringues. Bah, pour l'instant, hein, dans tous les habits que j'ai, d'ailleurs, cette chemise-là, je l'adore, vous la voyez souvent dans mes vidéos, je n'ai pas, aucun souci dans les fringues. Franchement, je suis agréablement surpris, surtout vu le prix que je les ai payés. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu de traviole. Donc, non, franchement, pour des tout petits prix, les fringues, jusqu'à présent, toutes les fringues que j'ai achetées, aucun ne m'a lâché. Et pourtant, je les lave. Hein. Et puis, surtout que moi, je suis une Marie Souillon, entre guillemets, vu que comme je tremble beaucoup, quand je mange, il y a des moments, voilà, je vous laisse deviner la suite. Non, non, franchement, les fringues, pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire. Elles sont nickel. Alors, vous voulez des petits prix, vous voulez des pas chers, et puis que ça tienne, ben, franchement, là, entre les chemisiers, bon, bien sûr, il y a eu les petits flops, les pantalons qui m'allaient pas, ah, ça, je ne paye rien pour les tailles, et puis ceux qui étaient un petit peu courts au niveau des manches, ce qui m'empêche pas de les mettre, tout simplement, parce que je les ai achetés, c'est pour les mettre, tout simplement. Et alors, donc, non, franchement, les fringues, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment de flop. Je croise les doigts pour que ça continue, mais je n'ai pas de vrai flop. Ils sont pas chers. Bon, faites bien attention, suivez bien le guide des tailles. Parce que moi, j'ai suivi. Le problème, c'est que ma taille n'est pas proportionnelle partout. C'est le cas de le dire. J'ai du bidou. Et puis, parfois, ça déborde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, alors, pour les habits, je vous mettrai dans l'incrustation mes préférés, si je peux. Et ceux qui m'ont vraiment quand même déçu. Hein, que je mets quand même, hein, mais qui m'ont quand même déçu. Donc, voilà. Sinon, dans les flops, dans les matériels flops que j'ai commandé. Dans les flops, le petit chauffe-tasse. Alors ça, je l'ai pris parce que ça prend pas place. Mais franchement, passez votre chemin. Si votre tasse est extrêmement fine, ça peut maintenir au chaud, je dirais, maintenir au chaud. Mais non, ça, sinon pour le reste, c'est de là. Voilà. C'est tout si simple que ça. Dans les flops aussi, mais ça c'est tout personnel, ceci. Alors pour ceux qui aiment bien que ça soit fort, c'est bien. Il est très bien pour ça, de ce côté-là, je n'ai rien à lui redire. Le problème, c'est que déjà, les sangles sont trop longues. Alors, franchement, elles sont longues, ce qui ne m'empêche pas que je continue de m'en servir. Et, comment je pourrais dire, sur la durée. Bon, moi, je vous dirais aussi que moi, si je fais un massage, il m'en faut un massage qui dure un bon moment. C'est vraiment un très bon moment. Mais au bout d'un moment, bah, c'est comme tous les produits qui ont des batteries, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Alors, à moins de garder branché H24, non, ça a duré, non. Mais par contre, si vous avez des petites douleurs occasionnelles, je vous conseille, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Parce que, bon, si vous êtes doudouille au niveau des... Je vous déconseille aussi, parce que ils pensent bien quand même, hein. Et c'est ce que j'aimais dans le produit. Mais pour le reste, voilà, passez votre chemin. Donc, il y en avait un autre, je vous mettrai une incrustation, un autre produit dans ce style-là que j'avais. Ah bah lui, c'est un total flop. Il est bien. Si vous voulez des trucs tout doux, bah, vraiment tout doux, juste pour avoir un petit massage détente doudou, oui. Mais pour le reste, non. C'est niette. C'est niette. Il est confortable, mais non. Voilà. Dans mes tops,
mon sac à main vente de stand privé. Alors, je l'adore. Je le trimballe partout. Il est génial. Franchement, je regrette absolument pas mon achat. Franchement, c'est simple. J'ai délaissé la plupart de mes sacs à main pour celui-là. Donc, sauf quand je dois faire un total look d'une autre couleur, c'est celui-là que j'ai H24. Quasiment H24. Voilà. Toujours dans mes tops. Qui sont. C'est. Moi, c'est un incontournable. C'est les parfums Knox. Je les adore. Mais je les adore à un point. Non, franchement. Ils tiennent longtemps. Ils sont super super proches. Mais quand je dis proches, je dirais même quasiment les mêmes que les marques qu'ils représentent. Hein. Parce que là, par exemple, là, j'ai pris le Miss Dior. J'ai été en magasin pour sentir le Miss Dior. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le même. C'est le même. Alors franchement, si vous voulez des petits parfums pas très chers et qui sont vraiment bons et qui tiennent toute la journée, prenez les parfums Knox. Il n'y a pas photo. C'est les meilleurs. Dans les flops, mais c'est pas vraiment un flop à proprement parler. C'est le petit parfum... Sublime de Gris Montaigne. Alors c'est pas un flop, il sent très bon, mais c'est pas la senteur que moi j'aime. Pour d'autres personnes oui, mais pour moi non. Bon, je vais l'utiliser hein, parce que bon, vu le prix qu'il coûte, mais non, c'est pas le style d'odeur que j'aime, tout simplement. Toujours dans mes tops. Oui, je fais les tops et les flops en même temps. Faites pas attention, j'ai pas encore l'habitude de faire les tops et les flops, alors voilà. Dans mes tops, et que je vais racheter dès que je vais pouvoir, du moins, dès que mon budget me le permettra, la crème Herborion. Alors là, franchement, si vous avez des cernes de panda comme moi, et vous les avez vues, mes cernes, elles sont monstrueuses, ça, je l'adore. Je l'adore d'amour. Elle diminue mes poches, elle diminue mes cernes. Si ça tenait qu'à moi, je l'utiliserais tous les jours. Mais j'ai des tout petits formats puisque je n'ai pas les moyens de m'acheter les gros formats. Mais dès que je vais pouvoir, je vais m'en faire un stock monstre. Dès que je peux, chaque fois que je pourrais, je vais en acheter parce que franchement, j'adore. Ça, elles m'ont rendu mon visage humain. Et pourtant, je suis difficile côté peau. Hein, j'ai une peau pourrie, hein, j'ai une peau mature. Hein, ça se voit pas quand on me regarde, mais j'ai quand même 46 balais, hein, donc, mais franchement, si vous voulez vraiment atténuer les cernes, les poches sous les yeux, à 1000%, je l'aime d'amour, voilà. Dans mes flops, mais ça c'est pareil, c'est un flop, pas vraiment un flop, c'est juste que c'est un flop par rapport à la teinte, c'est le rouge à lèvres MAC. Alors, c'est un très bon rouge à lèvres. Je dis pas le contraire, c'est un très très bon rouge à lèvres. Mais la couleur ne me va absolument pas. Du tout. C'est un marron caramel, mais ah non, ça ne me va pas. Et là, j'ai essayé de mettre des couleurs marronnées, mais je vais arrêter tout simplement parce que les couleurs de ce style, ça ne me va pas. Ah, dites-moi votre avis si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça me va pas, tout simplement. Et dans mes tops, toujours dans mes tops, alors ça, les ongles Shein. Ah, je les adore d'amour. Moi, j'aime beaucoup, on m'a fait un petit commentaire pour faire des gels, tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans les faux ongles, c'est que je peux les changer toutes les semaines. Donc, c'est ce que j'aime. J'aime pas tout. Comme vous voyez, j'en ai mis d'autres. Mais j'aime bien pouvoir changer très régulièrement. Alors franchement, bon, faut bien choisir les tailles. Hein. J'en ai quelques-uns qui sont un peu petits. Mais franchement, allez-y. Hein, pour le prix. Et puis après, vous avez juste à acheter les petits patchs pour les recoller. Mais moi, j'adore. Je ne peux pas dire pour rien, j'adore. Dans les produits que j'aime aussi beaucoup, d'ailleurs, je les porte. C'est les bijoux de la marque Paris & Look. Alors, oui, c'est une collab. Mais là, dans mes top et flops, c'est pas une collab.
Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé, franchement. Surtout le collier. Parce que moi qui portais pas de collier parce qu'ils sont souvent trop courts, je suis contente. Je suis contente. Je peux pas dire le contraire. Je suis contente. J'essaierai aussi de vous mettre d'autres incrustations avec les d'autres flops que je peux avoir. Et, dans l'ensemble, je dois avouer que les produits que j'ai commandés jusqu'à présent, je touche du bois, je touche du singe, ils sont top. Voilà. Donc, j'ai pas eu de gros problèmes dans mes commandes. Les lampes qui font de l'heure, ça c'est un méga top. D'ailleurs, toutes mes copines me demandent, tu peux me les commander. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, je vous les ai présentées plusieurs fois. Alors ça, c'est pareil, c'est un top. Donc si vous voulez une lampe qui éclaire bien et qui vous donne l'heure dans votre chambre ou sur votre bureau, je vous les conseille aussi à 1000%. Je vous essaierai de mettre l'incrustation de la lampe. Mais voilà, donc... dans l'ensemble, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris, surtout vu les prix. C'est pareil pour les vêtements de mon petit garçon que vous avez vu, du moins mon grand garçon. C'est pareil, ils sont top, ils tiennent bien. Et connaissant le brise-barrière que c'est mon fils, je peux vous dire que ça demande du sport. Oui, je sais, je suis toujours coiffée en as de pie, mais j'ai oublié de faire mon lissage ce matin. Donc non, franchement, si vous voulez des bons produits, faut bien faire attention à ce que vous prenez. Hein. Pour l'instant, moi, je croise les doigts, je suis toujours bien tombée, mais je n'ai pas dit que plus tard, je vais me retrouver avec des flops. Alors, c'est pareil pour le trench coat beige et puis le cuir noir. Nickel. Ils font partie de mes favoris aussi maintenant. En particulier le cuir, vous commencez à me connaître, du moins. Moi, je suis un fan de cuir et j'avoue que mon cuir, je le mets assez souvent. Mais quand je suis en robe, par exemple, je mets le trench coat beige et il est nickel pour mettre avec les robes. Petit aparté pour les bottes que j'ai achetées sur stand privé. Alors, elles sont nickel, elles sont super confortables. Mais alors, si vous avez des moules extrêmement larges, je vous mettrai la photo du résultat que ça fait si vous les portez tout le long de la journée. C'est... elles glissent. Pour moi, elles glissent. Alors, peut-être que je devrais les mettre sans gants, sans collant. Je sais pas. Mais jusqu'à présent, elles glissent. Donc, c'est le seul petit flop que je pourrais dire, mais c'est pas vraiment un flop parce que franchement, pour marcher dedans avec, c'est confortable. C'est... Moi qui n'étais plus de talons parce que j'ai du mal à marcher avec les talons parce que ça me demande trop d'efforts. Non, franchement, de ce côté-là, elles sont nickel. Mais je vais essayer, les réessayer, mais en mettant pas de collant. Ce qui est très difficile pour moi. Alors, il faut que je trouve des leggings qui puissent mettre sous les jupes grande taille et extra résistant parce que bon, c'est pareil, les collants ça dure pas longtemps puisque ça frotte, mes cuisses elles frottent, donc voilà. Mais sinon, côté qualité, tout ça, elles sont nickel. Je vous les recommande à 1000% aussi. La qualité est là, on est super confortable dedans. Moi, c'est juste dû au fait que j'ai des mollets de catcheur. Je peux pas dire autre chose, c'est des mollets de catcheur. Donc voilà. Donc voilà pour mes tops et mes flops. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à la partager si cela vous a plu. D'ailleurs, si vous m'aidez, je ne vais pas vous cracher dessus. Hein. Soyons honnêtes. Ah, petit aparté aussi. Alors, je fais beaucoup d'apartés parce que j'ai le cerveau qui est... au ralenti en ce moment. je sais pas si vous avez vu dans les informations le projet de loi sur la fast fashion. Je sais pas vous, mais pour moi, je trouve que c'est encore une loi qui va pénaliser les plus petits budgets comme nous, hein, tout simplement. C'est encore ils disent que c'est pour l'écologie, patati patata.
mon œil. Voilà. C'est. Mais c'est encore un. Moi, je trouve que c'est encore un moyen de pénaliser bah, ceux qui, comme moi, bah, parce que faut pas croire, je fais des vidéos sur mes produits, tout ça, mais je suis pas riche, hein, je ne vis qu'avec la hache. Alors, j'ai pas des mille et des cents. Et ça va encore réduire notre pouvoir d'achat, tout simplement. Hein, Donc, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, mais bon. Et c'est aussi un peu la mort des influenceurs, parce que bon, si on a des collabs, si on a des contacts avec des personnes, des fast fashion, comme Chine, AliExpress, tout ça, et ben, si on peut plus vendre en France, moi, je vous recommande ces produits-là, parce que, rapport qualité-prix, ils sont corrects, hein, et puis c'est vraiment pas cher, c'est pour vraiment pour les tout petits budgets. Si j'avais les moyens, j'achèterais dans des grandes marques. Mais faut pas croire, même les grandes marques, ils font dans la page fashion. Hein. Donc, moi, je pense que c'est encore un moyen de pénaliser les petits magasins, les petits vendeurs, et puis, bien sûr, ceux qui commandent à l'étranger, tout simplement. Donc, si vous voulez qu'on commande en France, baissez les tarifs en France. C'est aussi simple que ça. Parce que bon, là, actuellement, les prix qui flambent, on devient à se tirer une balle dans la tête, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule envers notre petit gouvernement allemand moins deux. Parce que moi, j'appelle pas ça un gouvernement qui coûte le peuple, hein, c'est un gouvernement qui pense qu'à ses poches. Voilà. Donc ça, c'est mon avis, il ne tient qu'à moi. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, hein, vous swappez, et puis voilà. Donc, alors, je vous ai dit, laissez-moi vos petits commentaires. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde dans la mesure du possible. J'espère d'ailleurs que vous appréciez. Et surtout, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous active la petite cloche de notification. Parce que ça vous permettra de voir mes vidéos dès qu'elles sont en ligne. Donc voilà pour mes petits tops et mes petits flops. Parce que bon, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Donc j'ai pas beaucoup de produits à faire. Et puis c'est vrai que j'ai pas pensé. Hein, je suis nouvelle. J'ai beau voir beaucoup de vidéos YouTube avec mon cerveau lent. C'est comme ça que je le dis. Mon cerveau lent. Donc voilà. Bah oui, mais bon, je suis à Dieppe, je suis à la capitale du cerf-volant, donc. Donc voilà. Donc, voilà pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous remercie déjà pour tous vos petits pouces et vos commentaires qui sont adorables. Je vous aime d'amour. Bye bye.